Kati nyinyi nyote mlikuwa mnalalamika hapa ya kwamba Watusi wote hii ndio muda wa kwenda kujiunga na M23 aseme tuishigikire. Mlikuwa mnaongea vile mkasema ya kwamba Watusi wote hii ndio muda sasa wa kuenda kujiunga pamoja na M23 kwa sababu M23 ndio imekuja kuwatafutieni nyinyi usalama. Tulikuwa tunawasikiliza, mkajigawa na wananchi wengine, mkajiondoa mkaenda kivyenu ya kwamba mnaanza kufanya vitu vyenu mwe wenyewe. Na ukiangalia tena vizuri, wakati mulijitoa kuma komunote zingine, kuma tribi zingine, mkafanya vyenu vyenu vya kipekee. Prezida aliendaga Burundi. Wakati wakongomani wenye wako Burundi wote walikusanyika kwenda kumkaribisha prezida, tukakuja kuona kuko bango lingine, pankarde nyingine naandikwa komunote ya Batusi. Tukasema ama watu kwa nini wako wanashindwa kujiingiza mbatu wengine, tunakuwa tu kama vile gisi mko Mkongo na Kongo imewakubali, mnajifanya tu wakongomani wote wanakuja kumkaribisha prezida. Lakini mko mnafanya vyenu vya kipekee. Hivi kama kiongozi wa societe civile akitangaza bwana tunaenda mgomo baridi ama kuna manifestation fulani, hakuna hata mtu mmoja wa Kitusi mwenye anaweza kuingia manifestation na wakongomani wengine. Yani mwe mnapenda kufanya vyenu vyenu mwe peke. Gisi Mkongo muko makabila 450 yani kungelikuwa kukaribisha prezida Burundi kungekuwa mapakarde 450, kila tribi iwe na nani, iwe na pakarde yapo. Vile vyote viko vinaonesha ya kwamba mwe peke mlijibagua na watu wengine. Kama mko mnasema ya kwamba leo mnaanza kuishi na matatizo, mnaamuishi tena vizuri, ni kwa sababu ya mwe wenyewe mlijiletea matatizo na kujiunga na maadui, na mko mnakaribisha inchi za inje kuja kutuvamia, kutukosesha usalama mwinchi. Hii mambo mulileta mwe wenyewe, ndiko vimeze chambu cha lugha yenu, mwe ndiko mwasha akaga. Niko mwasha akaga, ndiko vimeze, mulialeta mwenyewe, mwe wenyewe, na mwe wenyewe tena mutatafuta solisio ya kuyamaliza. Na bado, kwenye tuko tunaendea vitu viko vinaenda kuwa grave kuliko hii wenye mnaona kwa leo. Ni Mtuto Ndagobolwa. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, en dehors des interventions, des interdictions, des mixés ou des brassés au sein de nos forces armées, de la police, des services de sécurité de notre pays, les infiltrés, honorable président, sont partout. Je crois peut-être vous n'aimez pas souvent quand on parle de vos enfants ici, et même dans la salle nous les avons. C'est pour cela, honorable président, quand vous avez... Dans la salle, il n'y a que des honorables. Ah, je savais que vous allez intervenir. Je savais, président. C'est pour cela que j'ai touché ça. Honorable président, le service de sécurité. Dans un pays, même les cultivateurs peuvent conduire à un militaire pour aller au moins attaquer l'autre camp adverse. Si je dis que les infiltrés sont partout, honorable président, pour soutenir votre idée ici, c'est pour vous dire que nous devons au moins assainir, comme a dit mes prédécesseurs ici, même dans l'administration publique, au gouvernement, dans des entreprises publiques. Nous avons toujours des infiltrés, honorable président, pour que ce pays ici, nous pouvons au moins nous enlever de cette corde longuement lié dans nos coups, nous devons au moins, partout où nous devons au moins enlever nos ennemis, nous pouvons au moins y contribuer. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vous-même entendu les honorables députés ici. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont même pas partis? C'est puisque notre nation est attaquée à plusieurs fois. Trop c'est trop. Aujourd'hui, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, ne pas soutenir cette histoire ici, vous êtes parmi les infiltrés.
La recommandation que nous donnons, je crois, quand vous parlez de la recommandation, regardez dans notre règlement d'ordre intérieur. Le président vous a au moins montré ça. L'article 24 de notre règlement d'ordre intérieur, il donne ses pouvoirs à l'Assemblée nationale d'agir par recommandation vis-à-vis du gouvernement. Je crois que vous ne pouvez pas au moins nier. Lisez au moins ça sur votre règlement d'ordre intérieur. Honorable président, c'est pour cela que, comme nous sommes les derniers à prendre la parole, nous ne faisons que soutenir cette idée et que nous voulons que l'assainissement soit à tous les niveaux. J'ai dit. Merci, merci collègue. Collègue Mambengu, 10 mars, sauf les M23, qui n'étaient pas de la partie en ce moment-là. Donc, on parle du dialogue et non des négociations. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va être dit, parce qu'il ne faut rien anticiper. Mais nous avons l'obligation de défendre la nation. C'est pour ça que nous disons, bon, vous voulez faire la rébellion pour entrer dans l'armée à Panathéna. Ce n'est plus comme ça. Il faut arrêter ça une fois pour toutes. Pourquoi nous parlons du Rwanda et non de l'Ouganda? Mais je suis étonné d'abord de la question. Les Congolais savent que les Rwandais nous agressent. Nous parlons de lui parce qu'il nous agresse. Même nos petits-enfants le savent, même les petits écoliers. Oui, tout le monde sait ça. Mais l'Ouganda, quel est le problème de l'Ouganda? Nous avons parlé du fils du président Museveni ici, qui a fait entrer l'M23 à Bunangana. Nous avons parlé de ça ici. Alors, là, en Ouganda, il y a un problème. Il y a le papa qui est au pouvoir, et puis il y a le fils qui tripote. Il a tweeté, vous avez vu son tweet. Il a tweeté. Il dit, nos frères du M23, c'est ça qu'il a dit. Vous avez lu, je ne veux pas faire ça, l'apologie de ces bêtises. Vous avez suivi ça. Alors, maintenant, c'est le fils qui parle. Le jour où le père va parler, nous allons mettre l'Ouganda. Si vous considérez que c'est le fils qui est le chef d'État, nous allons attaquer. Vous pensez de Zobana? Binunde de Zobana. On a évité. Mais, alors, les jours où ça sera clair, ping-pong entre le père et le fils, bon. Ça va être clair, on comprendra. Je crois, je dis grand merci à tous les collègues qui ont soutenu la recommandation. Et merci à tous les collègues qui ont pris la parole au cours de ce débat. Maintenant, moyennant amendement, pouvons-nous adopter cette recommandation? Manifestez-les. Qui sont pour? Debout, collègues. Debout, tout à la ramène, Bazali. À l'unanimité, hein? Merci. Merci beaucoup.
Il s'en compte. Il s'abstient. Daïbanakala. Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Adopté. Il est parti, c'était le dernier intervenant. La liste d'intervenants est épuisée. Ça va. Les malins, les risés là, qui lèvent les mains en dernière minute, n'ont pas voulu intervenir. Voilà. Alors, honorable député, chers collègues, merci pour vos interventions pertinentes. Les collègues, et un collègue qui a soulevé la question du Burundi. Le principe est le suivant. Il y en a un qui a parlé de l'Ouganda, je vais donner quelques réponses. Normalement, compte tenu de la configuration de notre pays, le pays s'étend au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous avons 9 voisins. 9 voisins. 9 États voisins. Dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, nous sommes obligés à vivre en paix avec tous les voisins, avec tous les 9 États voisins. Raison pour laquelle notre pays ne provoque, n'agresse aucun État voisin. Parce que nous voulons, notre volonté de vivre en paix avec tous les voisins est manifeste. Nous sommes un peuple hospitalier. Nous le sommes, les preuves sont là. Nous ne provoquons pas, nous sommes accueillants. Nous avons accueilli le bourreau qui nous dit aujourd'hui. Ça, c'est le principe. Nous n'avons aucun problème avec le Burundi. Nous avons eu un malentendu à un moment donné avec les Burundi, les deltas de Ruzizi. Les collègues du Sud Kivu connaissent ces problèmes. Moi, je connais ça. Et on l'avait réglé. Moi, j'ai les dossiers. Les deltas de Ruzizi. Ils ont eu un problème de pâturage avec leurs éleveurs, là, avec les vaches. On a réglé ça. Le Burundi ne nous a jamais créé de problèmes. Même s'il y a des réfugiés burundais chez nous. Mais jamais le Burundi ne nous a attaqués. Donc, nous avons des raisons de plus de vivre en parfaite intelligence avec les Burundis. Nous pratiquons la politique de bon voisinage. Nos principes,
sur les plans de la coopération, de la diplomatie. Le non-alignement, la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État, l'intangibilité des frontières, notre ouverture au monde et notre vocation africaine. Parce que nous sommes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous devons nous entendre avec tous les États. Ça, c'est notre principe. Donc, le Burundi n'a pas de problème spécifique avec nous. Mais par contre, le Rwanda nous attaque. Le Rwanda nous attaque. Ce qu'il faudra faire à l'avenir pour nos petits-fils, il faut construire un mur. Il faut construire un mur sur les 234 kilomètres. Ou 250, ou je ne sais pas, 200. C'est 234 kilomètres. Ça, c'est celui-là. Alors, les collègues, vous aviez parlé de groupes armés étrangers. À Defnalu. À les FDLR, les LRA, les Mbororo, etc. Les amis qui ont participé à la réunion, à la déclaration de l'Union sacrée de la nation, il a été dit que les Nations Unies trouvent un asile alternatif. Donc, il faudrait que l'Assemblée nationale aussi réfléchisse pour prendre une décision. Tolembi na bango. Bakende na mboka mususu. Nous devons réfléchir là-dessus. Celui qui a une proposition, y compris le Mbororo, celui qui a une proposition, il peut rencontrer les bureaux pour qu'on fasse une proposition. Parce que là, nous devons parler. Le FDLR est devenu un casus belli. C'est devenu un prétexte pour justifier la guerre injuste. Non. Il faudrait que nous prenions une décision dans les jours à venir. Nous n'avons pas fermé les négociations politiques, l'ouverture. On appelle ça depuis tous les temps dialogue. À Nairobi, on parle du dialogue. Kesho, kabisa kesho tunaanza voyage. Donc, mtuchunge kule kabisa, mtuchunge kule kote asake. Tunakuya kabisa. Kama watu hatutawaacha, wakamate tu inchi yetu hivi na tuko naona. Na tuko na madawa, tutatumikisha madawa, tutakuwa na watuma kuna manyuki, zina walumaluma, kwa msa haziweza na hazipata na wakati ya kupiga bunduki, tunaharibisha na hewa, wanaona tu kunguku muanga, hizi masiku senyu mutakuwa naona zile makunguku muanga, munajua ke ile siku tutapigana. Haiko si vitu haiko vya politike, waseme tukasema vile, kisha M23, sijui kama watakimbia ubie watafaa nini. Si tu kunguku takuwa naonekana, ubie mvua inanyesha, si kwenye tutagombana, mkwe na munajua vile. Ukaona saa kunguku watai kwe mchana, midi, naomba unavichama mzuri, seke pale na tunataka pigana. Hivi M23 muzitayarishe, hatuya waogopa hapana. Wenye walikuwa napigana kwanja na nyie ni FRDC. Kama wanachoka, siye hatuyachoka sasa. Siye basi vile na siye mamilise, msiwaze kama tutawaachia Kongo. Msiwaze kama tutawaachia Nord Kivu. Msiwaze kama tutawaachia kule makiwanja, maruchuru, makibumba, marumangabu. Hapana. Kuna waasiste kwanja, me tutabagonga, tutababomola, donge na zile maharu mienyo zitawaka natoka muna masasi, tuko na madawa ziko, mutashangala na manyuki zinanja baloma, zinanja baloma, unashindwa na kugizi, unatosha na lungua we mwenye, unatupa uniform yako, unatupa ile nani yako, ile teni yako, pekepeko, unaitosha, unaitupa, juu ya manyuki na masiafu.
mashavu zitakuwa na makuta kwenye muna kwenye munapanga kwenye munaikala zikisa bakimbiza na sisi tuko na walogota mamoya ya mumoya niwaambie kwanja masiri moya moya zende tutapigana nazo hiyo msiku naweza kama hatuna madawa na vile Rwanda tutapitia Rwanda kabisa kule njiko kwenye tutaanja kwa msa na tuko na bakokota niwaambie siri senye mtona tuenda pigania kwenu na nyinyi mnakuwa obligé murudie nyuma juu bakwenye na tumebamaliza senye mtasema mnakia kwenye tuko na nyinyi tunabagonga gonga mtakuwa na mmerudia kwenu na sisi tena tunarekipere kwetu ile njoo je yenye sisi tutabachezea sisi hatuwezi baogopa kuambia na je yenye tutabachezea juu kabisa hamwezi tushinda ni impossible hata mfai nini tuko karibu kuba kafrie tuko karibu kuba camoufler tuko karibu kuba kache mutakosa na ile ubishi mutakimbiaka akosa mshaka sahau wakati ya Mamadu mkumbuke wakati ya Mamadu kama tuliofaka na muna gani tuliofaka mbaya mbaya sana vile tunde tutapafa simuliweka na mshaka ikala simulikimbiaka na ile nguvu mnaweza ishakapotea ile nguvu tuko nayo mtaona tu muvimbe vimbe mubebebebe vibunduki yenu vile si hatu havitufaki kitu bila vile tufaa kitu vile bibunduki yenyu hata mko na vikombie tutawapiga kama mnakimbia nyewe yenyewe mnatosha na mashirifu yenyu zile mnaziacha mngoe tuko nazifunja na mnakupafatilia msiwezi kama tunalala mngoe semeni yenyewe inakuya mngoe semeni yenyewe inakuya tutawafaa mbaya wallahi onodidie mtaona hatuizi waachia udongo wetu haiko yenu kwenye ni Rwanda mtaona tutapitia na kwenu mtashangala senye tunaenda huwa populasi ya kwenu siye kwenu sasa tutakuwa na huwa na populasi mkwe pale mtatushangalia hata unasema kusi hapa watu biku ni mubaya mtaona populasi ya kwenu nayo zitayarishi siye tutakuwa na beba vote nao arme na populasi nyoso tutabeba na toka kufata taarifa ya habari hapa tusi mmoja kati yao wanaoishi ndani ya Kongo anaeleza ya kwamba komunote yao haiishi tena na amani muinchi ya Kongo. Wanaanza kuishi na wasiwasi kwa sababu ya machafuko na usalama mdogo. Lakini acha niseme hivi, hiyo ndio kama ingetembea ifikie watusi wote inaweza kuwa vizuri sana. Asa wale viongozi wanaoshimamia wenzao. Nafikiri watusi waliweza kuishi Mkongo vizuri sana na watu wengine bila matatizo. Kama sisahau mpaka kipindi cha nani wali M+4 walifika ku presidence kwa sababu Azariase Rubero alikuwa mmoja katika wale wa president na wako na wa ministre na wa general vile vile mu gouvernement. Na kipindi kile kabisa ilikuwa ni vizuri, lakini tuangalie matatizo yalitoka wapi. Ikiwa mtu hatajua kuidentifie probleme zenye anazopitia zilianzia wapi mpaka nafikiria kwenye yuko kwa sasa, kama haujaweza kuidentifie na kuangalia tatizo zako zilianzia wapi, hautaweza kuresolve zile matatizo kupata solution. Nafikiria kwamba haya mmeyakokotea nyinyi wenyewe. Acha nikate hiyo audio nieleze kwa sababu ya nini. Il y a des officiers rwandais, donc quand je dis des officiers, ce ne sont pas des petits soldats. Exactement, des capitaines, des lieutenants, des colonels qui étaient venus au Congo en se filtrant, comme on l'a dit tout à l'heure, en se déguisant. Comme les civils. La nuit tombée, ils ont volé des pick-ups au Congo et ils sont partis donner des formations, bien donner des aider, soutenir le M23. Donc voilà, les petits soldats de Kagame qu'on a recrutés parce que je vous ai dit qu'ils étaient en difficulté, ils se faisaient tuer et ils étaient venus, ces officiers, ils étaient dans les deux pick-ups, ils étaient au nombre de 12. Et ils ont été, ils sont tombés dans l'embuscade, tendus d'ailleurs par quelques militaires, mais surtout
la population. C'est pour ça que je vous parle de la population congolaise. Vraiment, quand j'y pense, je me dis, ces gens, je les admire. Parce qu'ils se battent, ils sont déterminés à défendre le Congo et on ne peut que les soutenir. Donc, ils sont tombés dans l'embuscade, les 12 officiers, ils sont morts, et les subalternes aussi, ils sont morts. Donc, en tout, il y a plus de 15 militaires qui sont morts. Donc, on peut y signaler ici qu'il y a plus d'inquiétudes au niveau de l'Est de la République concernant les officiers rwandais qui étaient venus renforcer le M23 par les moyens de Paul Kagame. Oui, oui, c'est exactement. C'est l'armée de Kagame qu'ils avaient envoyé. Ces officiers, ils sont morts au Congo. Il y en a, alors, il y en a aussi qui disaient que non, ce n'est pas vrai, ce sont des. C'est une mort, on parle de. Qu'ils sont morts virtuellement. Et je dis, mais alors, on les a enterrés au Rwanda. Donc, l'enterrement n'est pas virtuel. Donc, ils sont morts au Congo, on les enterre au Rwanda. Ce sont des officiers rwandais, ils sont connus. Je pense que dans quelques jours ou dans quelques semaines, on aura même les noms. Mais les noms ne sont pas encore sortis. Seulement, il y a des papas et des mamans qui pleurent au Rwanda de la mort de leurs enfants. Et malheureusement, ils le disent ouvertement, ils disent mais où, pourquoi on avait envoyé nos enfants au Congo? Pourquoi ils sont partis se battre au Congo? C'est eux qui nous contactent, qui nous donnent des informations. Mais les Congolais aussi, et je vous ai dit que j'avais aussi une partie de ma famille qui vit à Brisha, ils nous donnent aussi des informations. Mais c'est surtout au Rwanda que les morts commencent à se compter par des milliers. Très bien, monsieur Gaston. Ici, on est en train d'interpeller directement le chef d'état-major, le général Christian Tchoué, concernant la sécurité de nos frontières à l'est de la République démocratique du Congo. Non seulement le chef d'état-major, Christian Tchoué, on parle aussi du service d'IGMI. Faut-il encore renforcer l'ISRI parce que l'infiltration au niveau de l'est de la République démocratique du Congo, et il passe ici comme des civils, d'après des informations d'un citoyen rwandais. Ce n'est pas les Congolais qui disent ça, ou bien ce ne sont pas des Congolais qui restent à Goma, ou bien Nord Kivu. Mais c'est un citoyen rwandais qui dit que le Rwandais infiltre notre territoire en tant que des civils et puis en traversant nos frontières, il devient des militaires. Donc il faudra encore réformer ou bien mettre des sérieux au niveau des frontières. Monsieur Gaston, nous attendons, nous arrivons plus presque à la fin de notre édition spéciale congolaise. Quel message vous pouvez encore lancer à nos différents compatriotes qui nous suivent en ce moment à travers notre chaîne? Alors, je peux leur dire que qu'ils continuent à soutenir l'armée congolaise, parce que c'est une armée qui vient de démontrer sa puissance, sa force de frappe, et quand l'armée est soutenue par la population, rien n'est impossible. Et on est en train d'écraser le petit Kagame, ça il faut le reconnaître. Et je pense que il n'y a pas que les Congolais d'ailleurs qui peuvent s'enorgueillir, mais aussi les Rwandais qui souffrent de ce terrorisme depuis plus de 30 ans. La bonne relation entre les Congolais et les Rwandais, c'est quelque chose qui devrait rester à vie. Mais le fait qu'un seul homme décide de venir tuer les Africains, c'est triste. La deuxième chose, c'est que je leur dirais qu'ils ne devraient pas écouter le soi-disant porte-parole du M23, qui dit qu'il est tantôt à Masisi, tantôt à Bounagana, tantôt à Tchou. Mais ce monsieur, le porte-parole du M23, je vous ai dit la dernière fois qu'il était non loin de Bigogwe, mais maintenant on a pu localiser où il était parce qu'on s'est informé via la population. Il est à Busasaplana, sur la colline de Kadieshi, à tout près de Ryabizige, là où justement est stationné les deux armes qui tirent vers le Congo. C'est de là qu'il parle. Donc quand il dit qu'il est à Bounagana, c'est faux, il est au Rwanda. On sait où il est maintenant. Donc, je dirais aux Congolais, il faut continuer cette guerre. Vous allez la gagner parce que au Rwanda, il y a des fissures dans l'administration et surtout, Kagame commence à être abandonné par ses sponsors et à vous maintenant de sauver la région des Grands Lacs. Merci, M. Gaston. Vous remercie de votre félicité pour continuer notre révélation concernant la République démocratique du Rwanda. Et voilà, nous étions en direct avec M. Gaston, lui il est citoyen rwandais, il fait de révélations, en fait, allais-je dire, concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Il insiste sur
nos frontières qui ne sont pas vraiment assez sécurisées par rapport aux autorités qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, cette légèreté de faire des choses que le Rwandais ou bien des soldats rwandais traversent nos frontières tant que comme des civils. Comme on le dit souvent, la République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés. Peu importe nos divergences, on est tous congolais. Qu'on se dise. Mon compatriote, mufate yo information na batupia na ifanya mjia maudio juu ya kubafasilite mjue nini kunapitika ku Rwanda. Pouvoir ya Kagame ko fasi gani? Na mufate kwa ma gisi ensito ya Rwanda iko interviewe ku chaine ya televizio ya Kongole iko naonesha combien de fois la diplomatie ya président de la République Félicien Antoine Tshisekedi Tshilombo gisi inalipa na gii kila siku na bambiaga Kagame iko na vichwa fulani venye iko na anakopere naye navyo mudunia na hivi iko munjia kabisa baisha mutema a partir ya itazi ni na Uingereza kule haiko na kanyaga tena kwenye ameshabakiria kidogo kidogo ni ngambo ya France nikiwaza mko mnaona courage yenye makuru iko nayo mara kubaweka mfrancofoni na wako wake hapo batu ya mfrancofoni ni batu ya Commonwealth. Hivyo vyote vinaonesha kama France kwa kuonesha gisi ameshapata shida Republic Central Africa Mali na hizo pei zote za huko juu anakuwa anapenda sasa aya mkazanilie yeye kama angeendelea vita ayu ndio angelipatia advantage huko Kongo. Sasa hivyo vyote biko mmai mtafuta msikie bravoure na determination ya pepe kongole gisi kuna sifiwa na batu wote na arume yabo haswa walio na asili ya Rwanda wanaisia mseto kuhusu vikao hivyo. Baadhi ya raia hao wanaoishi huko Kivu Kaskazini wanasema wanapokea vitisho kutoka kwa watu ambao sio wa kabila lao. Chube Ngorombi ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Goma. Nikiwa pamoja na Muragizi Gedeon, baba wa watoto watano katika mji wa Goma, ameshuhudia kile wanachokipitia kwa sasa wakati wa mapigano kati ya M23 yanavyoendelea. Komunote yetu tumepata shida nyingi sana. Hatuna tena liberte ya circulation ya kutembea, wanaendelea kutushimanga maneno mbaya sana, wakitutukana mahali popote tunapita. Ambao walikuwa wakifanya kazi ndogo za uchuruzi, hawana tena ile uhuru wa kufanya kazi. Kuna tu gisi maumbile yako wanakutatiza hivyo hivyo wakisema kwamba wewe ni M23 au wewe ni mshiriki wao kwa kutumika kupata chakula unafanyaje. Tulikuwa tukijielekeza fasi mbalimbali katika mji huu wa Goma, hata tukienda kwenye territory zetu kutafutia maisha, lakini kwa leo watu wengi wetu hawana tena ile uhuru, wanabaki hapo nyumbani wakiogopea maisha yao, kwani hatuna uhuru tena ya kutafuta maisha kama wengine wa Kongomani. Lakini GDO amethibitisha jinsi anavyoendelea kuishi katika mji wa Goma pamoja na familia. Kuona tu mtu kuja wanaanza mcheki, wanakota hata uwe na vitambulisho vyote sawa, wengine watakutatiza hapo kufikia ngazi ni voye ni watakunyang'anya hata na pesa zako. Kitu gani kifanyike zilienu kwa sasa kufuatana na hali mnayoipitia? Serikali ndio mzazi. Serikali tunaiomba ichunge watu wote sawa sawa. Tuna damu moja. Tunaomba serikali ituchunge usalama kama wakongomani wengine. M23 mali mali na wengine wote waachishe mapigano ili tuweze kupata amani. Na msikilizaji, tuelekee kule nchini Nairobi ambapo Watusi walijikokotea wao wenyewe kwa sababu walipoishi vizuri na kabila zingine mapema walikuja kujichanganya wenyewe wakageukia mkono wa kushoto. Kwa sababu ya nini? Hivi leo tuko tunasema ya kwamba tunapiganishwa na chama cha M23, lakini ukiangalia chama cha M23 wengi wao wenye wako mule ni Watusi, na wao ndo wanaendelea kupiganisha serikali ya Kongo kwa kuleta usalama mdogo. Ingelikuwa wako na haja ya kuishi Mkongo vizuri na amani, sifikiri ya kwamba wangekamata mabunduki waanze kupiganisha serikali. Na sikia humu ametaja ya kwamba serikali ndiyo baba. Sasa baba ulishamchukulia bunduki huko na mpiganisha, tena unataka kulindie tena usalama wako vizuri. Hiyo naweza nikasema ya kwamba simba walio tumwa
kurarua watu kwa sababu wamekosea usalama wamekosea utaratibu na kanuni, hawawezi wakatolewa ama hawawezi wakatoka kwa kupitia maombi, wataweza kurudia wale simba ikiwa watu watafuatia kanuni na taratibu, ila sio kwa maombi. Wakristo pale wataelewa simba wanarudia ni kwa kwa kufuata taratibu, sio kwa kufanya maombi. Ingine ambayo nitaongezea kati ya hao wanaoishi ndani ya Kongo, anaeleza ya kwamba komunote yao haiishi tena na amani muinchi ya Kongo. Wanaanza kuishi na wasiwasi kwa sababu ya machafuko na usalama mdogo. Lakini acha niseme hivi, hiyo ndio kama ingetembea ifikie watusi wote, inaweza kuwa vizuri sana, hasa wale viongozi wanaoshimamia wenzao. Nafikiri watusi waliweza kuishi Mkongo vizuri sana na watu wengine bila matatizo. Kama sisahau mpaka kipindi cha nani wali M+4 walifika ku presidence, kwa sababu Azarias Rubero alikuwa mmoja katika wale wa president, na wako na wa ministre na wa general vile vile mu gouvernement. Na kipindi kile kabisa ilikuwa ni vizuri, lakini tuangalie matatizo yalitoka wapi. Ikiwa mtu hatajua kuidentifie probleme zenye anazopitia zilianzia wapi mpaka nafikiria kwenye yuko kwa sasa, kama haujaweza kuidentifie na kuangalia tatizo zako zilianzia wapi, hautaweza kuresolve zile matatizo, kupata solution. Nafikiri ya kwamba haya mmeyakokotea nyinyi wenyewe. Acha nikate hiyo audio nieleze kwa sababu ya nini. Ni kubera ko zile ndege ni ndege ziri très rapide, dorumba zikora 900 km par heure. Donc urumba mu segonde imwe cyangwa umunota umwe yigurutse iba yarenze yageze Kigali. Yageze Kigali. Donc menace ya Kigali est vraiment dushobora kuvuga ko Kigali emenase. Donc même Rugwiro uko imeze kuriya zira ndege ishobora kugenda zigasigayo bombo Rugwiro rwose rukaba ruragiye. Donc u Rwanda rugomba kwitegura intambara y'ubwo bwoko, igomba kwitegura yuko isubira inyuma muri byo iri gukora kugira ngo ishobore kurokoka. Nuko nge nabivuga kuko situation ku nimeze na recruitment ziri gukorwa, ntabwo u Rwanda rushobora kugira nanone kupretenda yuko rushobora kurwanira ntambara. Ibintu byarahindutse, tumaze amezi tubivuga, tubisobanurira abaturage, tubisobanurira gouvernement les officiels bo mu Rwanda, niyo baba bafite abasponsor bavuye mu Bwongereza, muri Amerika, hariyo hose. Ibihe tugezemo fu comprendre vite kandi ugashaka kulimita redega. Ndakeka yuko ira rencontre yabaye i Rwanda hari cyo yatanze muri ubwo buryo kugira ngo abantu barebe ukuntu bashobora kulimita redega. Kuko de toute façon abapaye le plus fort donc n'abaturage, kandi yuko ubungu abaturage bose babaye deplace. Donc l'armée congolaise yagize astuce yo kugira ngo ntirwanire ku mupaka. Donc urumva ko déjà indege n'imbiri gushobora gutraversa quelques secondes kajya mu Rwanda. Donc bashaka ko abo barebeli binjira bakinjira à l'intérieur kujya bashobora kurwana nabo à l'intérieur, kuko kurwana nabo mupaka urumva amasasho ararenga kajya mu bindi ugakora izindi za dégâts kuva abandi batimuro bari kudutera bari kutushota. Donc espace irahari yuko abarebeli baza bakinjira. Kandi bwana Serge cyo nakubwira nuko abasirikare bakumubara bategereje
barabategereje kandi na Mubarak nawe ntago turi kumubona muri iminsi zandege zamugezaga sinza he nimba ari hehe nawe ubwo turamutegereje na Paul Kagame nawe wari watumenyereje kutubwira ibintu by'ibigambo atubwira ko ashobora kujya muri Congo kwa shaka yashakiye nawe turamutegereje reba ko n'umuhungu we amaze kurangiza igisirikare ubwo nawe ku rugamba buriya baramutegereje donc ni ibyo ngibyo rero ku Rwanda rushate rushake ubundi buryo cyangwa se bukomeza iriya ntambara kandi iriya ntambara yo bwana Serge ndikubwira ko mu buryo ubuntu kubintu ukuntu bimeze iriya ntambara u Rwanda ntabwo rushobora kwitsinda donc nibajya muri inzira za diplomasi tuzi icyo bishobora kuzatanga ariko tumaze kurambirwa agasuzuguro ku Rwanda muri kara karere abantu bihe bigize ibyo batari byo nibicishe bugufi ya Kongo ntakwitagirageje kugira ngo vraiment yumvishe u Rwanda ko bagomba kumvikana mu mahoro bagapartaja ibyo bafite mu bundi buryo batabanje kunyura muri biriya bintu by'abaza rebellion kurwana n'abaturage abaturage bagapfa en tout cas byageze aho Kongo nayo iri desidira avuga ati ngo omele paquet sur le moyen maze iki kibazo tugikemura kandi nibyo Felix ari gukora ubu ngubu ntabwo ari wenyine gusa parlement iramushyigikiye senat iramushyigikiye and on top of that abantuza abaturage nabo baramushyigikiye donc urabona recruitment ziri gukorwa z'abaturage uru Rwanda n'urwo rwabikora ntabwo rushobora kurinisha abaturage bangana kuriyo kandi nk'uko bizibwa na Serge Munambara l'aspect le nombre donc le numérique sécurité numérique nayo irakonta cyane mu ntambara kandi u Rwanda ni igihugu gitoya donc kuva hariya igoma kugera ikigali ndumva ari nka ntaga ari plus de 100 km donc avec la force qu'on ufite ndumva mu masaha abiri babageze ikigali urakoze bwana Serge no none ari kuyobaza bati ni gutse ndege zikagwa ku butaka bwanyu kugiye gucya royal polo yanyu ikarinda igenda ntacyo mukoze wabonye yuko igifuzo cyabuze namukura ni ibyo byarabiganye je mu buryo bwa gisirikare ababwiye ngo ziriya ndege zifite systeme ku detecta za misi donc imbunda nshobora kuzihanura ni ukuvuga ko za manevre bakoraga baba detecta ahantu ko hari za artileri cyangwa za misi barangiza ko ikirere ari mu wazi kuko ziriya ndege zishobora kureba kure mu birometero 100 ko bafite na sisiteme ya za radari bari barangije kubona ko hari sefu niyo mpamvu yaje akagwa nko kubereka ko badakingiye kuko iyo bashaka gufata Gisenyi bari kuba bayifashe Serge niyo mubwira ngo iyo bababwiraga Serge nongere mbibutse ikintu kirabasetsa buryo ubwo umuntu bita Saddam Hussein ajya kurwana na Amerika na Bush yari afite 300,000 by'aba garde by'aba Republican Guard 300,000 muri Baghdad ariko ubwo indege zatangiye kumunyaho ibisasu Serge baba Republican Guard bari bambaye uniform z'umukara urabibuka bagiye reba Kadhafi yari afite bangana iki muri Tripoli batangiye kumurasaho bagiye he iyo nakumenyesha cyo nuko Felix iriya ni warning hari mugenzi we niba ari umugabo avanimo bariya bahungu kuko Serge igipimo barimo gupfiramo Serge birababaje urebye ku rugamba birimo kuhabera na abatwari kandi birababaje kuko n'abana ba rubanda barimo kuva muri ziriya ntambara kandi ntiratangira ndakumenyesha ko ibyo barimo bategura bizaba apokalipsi kwa RDF kandi muzayibona. Urakoze cyane hano wari wandikanye ngo u Rwanda ngo rufite anti-craft defense system barake ibintu u Rwanda ruvuga rufite basha kuba rufite cyangwa batabifite ntabwo ndi muri RDF ngo mbere nabimenya cyangwa mbavugire ariko icy'ingenzi ni uko bakomeje bavuga bati turimo turashotorwa gute kuvuga ngo urashotorwa birumvikana nk'uko mukuru arirya bivuga cyangwa ibaruwa ryayo bivuga kandi birutse ubusore bavuga bati uyu ni umurongo utukura nitwo ajya gushotorwa ntabwo tuzarebera umunsi wo gukomeza kurebera twarawurenze reaction yigiye kuri iyi ndege ya Jimmy Visit Rwanda nk'uko abakomugana babyivugira ariko leta y'u Rwanda ati umurongo wo kudushotora wararenze ntabwo tuzongera kurebera Comrade Baraka. Murakoze bwana Serge. Iriya ndege
yari itwaye n'abapilote batazi neza kara karere ariko iyi ni ntuza feedback nagize mu gitondo ntabwo bari bamenya neza impamvu yatesheje rubavu akaba ari yo mpamvu bavuga ko ari igomba kuba ari re ariko nkuko turi kubivuga nyine yari visite kamemi nziza cyane kandi nubwo byaba biri erreur byerekanye yuko force armée ya RDC ishobora gupenetra muri espace y'u Rwanda kandi ntihagire ikintu iba Kina none bwana Serge je pense que François Komojeho kiba cyangwa aho yaterezaga batiteguye ko iyo capacité nubwo bushozo bufite nabo bakaba baguye baheze muri confusion iyo kutamenya icyo bakora in case indege batunguye hakuri yeah en fait barabazi ko hari indege zihari igoma ko nabo bafite quand même nuza l'enseignement ikomeye muri kara karere ariko kuba indege yageze hariya ibyabatunguye ntago byatandaga ko indege ishobora kwinjira muri espace yabo kandi ikaterisa ku kibuga cyo muri nuza mu Rwanda bikaba byerekana yuko hashobora il faut faire attention donc hashobora kuba ibintu bishobora kudutungura mu minsi iri kuza bijyanye n'izira ntambara ku buryo u Rwanda rushobora kumererwa nabi cyane navuga ko bwana François Komojeho Congo iracyakomeza kwiyokipa muri nuza materiel militaire yaba ari au niveau ya aviation yaba ari terrestre n'izindi nanone ahubwo ubu ngubu umuntu adashobora kudebora kuri za radiyo ikaba en terme ya force de frappe Congo idesize ubu ngubu ko tumeze gutya mu masaha abiri u Rwanda rwaba rushya Kagame mutongera kumwumva nanone ibyo rero niho rero force ya diplomasi iri na ya dissuasion Congo ikaba idashaka kugera kuri iyo nivo yaho yakwinjira muri teritwari y'u Rwanda kandi ikabombarda nuza za point strategique donc indege nka ziriya zerekana yuko dushobora kudetruza sisteme yanyu yose mukoresha kugira ngo muraforce za troupe zanyu ziri au sol cyangwa se ziri hejuru donc urabona ko u Rwanda rwo ntabwo rwagira indege nka ziriya ariko kumwe maze kuzigira kandi u Rwanda narwo ubwayo kurungana kugira indege nka ziriya un simple décollage y'iriya ndege ibivuye muri espace aérien y'inuza ya y'u Rwanda donc ni compréhension hari donc birumvikana ukuntu indege yavuye Goma ikateresa hariya y'u Rubavu ni kubera ko zira ndege ni indege ziri très rapide urumva zikora 900 km par heure donc urumva mu isegonda imwe cyangwa umunota umwe yigurutse iba yarenze bayageze Kigali ngo Major Mwamba ari umupolisi nabaga hano muri rutezo mbariya kukabira mba hano muri mu nzu yabaga hariya hirya ariko ubu ngubu ngarutse hano nitwa Colonel Mwamba ukumvikana abo nazira n'abana bato ari kubona barabyaye nanjye mu gisirikare nanjye narakuze iyo mpamvu naje sinaba hano haba ndi rucuru ukumvikana umuhungu wenyu ni wetu ni hano i Rugarama papa yitwa Mwamba ari hano i Rugarama na mama nawe yitwa Nyanzira nawe ari hano i Rugarama ariko njyewe nabaga hano kiriya gihe cya M23 cya kera ndi kugenda nanyuza ahangaha ndi kugenda nyura hano inyuma njya muri Songa njya Rwankuba
ndakomeza njya za runyoni ndakomeza intambara irakomera nisanga he mu Rwanda no mu Buganda ngo narahabaye mpabanje imyaka ingahe bigenze igihe y'ubuyobozi ibango leta ya Congo yanga kutwumvikana yanze kutwumvikana rero niho twabaye ngo twabaye oblige gukora iki kugaruka dutoroka mu Buganda dutoroka mu Rwanda turaza nk'abakongomani tugaruke uwetu tugeze mu misozi twabayeyo leta ya Congo turavugana itubwira gutuma abantu Kinshasa tubatumayo bamara amezi 18 baganira na leta ariko leta yanga kumva ibyacu ivuga ko tugomba gushira twese turwumvikana iyo twabaga mu myaka 10 yose twebwe twarasengaga Imana tubwira Imana ese tuzahera ino cyangwa bizagenda bite bigeze igihe nabo babaga hano nabo barongora abakobwa banywa n'urumogi kubera mu difference aho usanga rurumogi rwo bagiye bahinga niyo mbuto bagiye basigamo natwe iyo twabaga twagiye dusigaye insengero twageze iyo ngiyo turakizwa burya kumva umuntu yari mu bibazo ajya akizwa baga hano nibera kwa nyiramabere niwe rugwagwa ubu ngubu nararurete kumvikana maze tubaho ngaho tugera igihe leta yaje kudutera idutera twaga muri biriya bisozi niyo mubona bya Sabyinyo iyo hejuru niyo twabaga ni ahantu hahora urubura iminsi yose ni ahantu wicara ukota umuriro iboti gasha n'umubiri gugasha ariko utari kumva umuriro tuhaba imyaka myinshi cyane leta iraza irahadusanga iza kutwicirayo nibwo twayitwikiriye natwe tuyicira mwayo mashamba intambara zacu mwajyaga muzumva zose hano muri gusenga nti Imana baheri yo natwe tusenga Imana nti Imana natwe uzatugeze tena i Busanza iwetu kandi Imana yumvise nde Imana yumvise nde ugomere Imana amashyi nanjye ubwanjye nshobora kukwanga ariko Imana igukunze ntacyo nakwanga kumvikana niyo mpamvu mu bintu byacu byose Imana niyo tuzadushyira imbere niyo tugiye ku rugamba tugiye kurwana ibanga ryacu Faridesi itazi twebwe turapfukama tukabanza tugashimira Imana tukayisaba kutugenda imbere niyo mpamvu mubona turi abantu batanu hano bari kuduhamagara ngo noneho ngo zayishyire kangari noneho ni kangari ntuworeba abagira ngo bareke tu Imana iri kubatuzanira uko bajya baza niko basubirayo muzabaze hariya za runyoni muzabaze za cyanzu muzabaze bunagana muzabaze mu kabindi baraza ari nka miliyoni bakaraza bakarasa tujye turaho ngaho amasasa anyura ariko twebwe turaje ibyacu ijya gusanga ngo ngabo 10 nabangahe bahaguye mama we turwumvikana turwanya Imana yabakuyeho amaboko ntabwo ndafata umwanya muremure cyane wo kuganira nawe mbari mbakumbuye cyane kandi nshimira Imana ko twongeye kubonana rero nimugire ngo mbe ntibatwaje ngo turasubire inyuma icyo ni icya mbere icya kabiri nimugire ngo mbe ntibatuje kumvikana na leta nacyo ntabwo kiriho mwicare mubiri ntabwo twebwe tuzavanga na bariya tujya tugezamo abasore bacu basa gutya ugasanga mu minsi mike batangiye gusiga icoko ugasanga batangiye kunywa urumogi ugasanga batangiye guhenda imizi abantu n'ibingara turikumvikana ibintu bimwe bidafite agaciro twebwe ntabwo dushaka kwiyanduza na katanyama niyo mpamvu niyo tumufashe atapfuye tuhamagara seyiseri ikaza tukayimuha ikamujyana ntabwo twebwe mu ngabo zacu wabonamo umwana atari umu iriya za Sud Kivu hariya za Bibwe abantu bahazi niba muzi za Bibwe abasore bacu ni ab'imasisi abasore bacu ni aba hano mu Munigi abasore bacu ni aba hano muri Rucuro niko ingabo zacu zimeze ntabwo dushaka kuvangana ziriya ngabo
kubera ziri angabo ziragenda zikatwanduza ugasanga natwe tutangiye kugenda turukora iki turwambara za pocket bazaho umuntu w'umugabo kugenda ikibuno ari kucyerekana bira byose ntabwo ariyo mico yacu twebwe abantu tuvuga ikinyarwanda bimeze none rero ntabwo duteze kuzumvikana n'iriya leta ibyo byo mubikureho kubera twarayisabye kenshi iranga n'isaha leta ya Congo yaradekiraye ngo yo igiye gutwica itumare kandi yaratunaniwe tukumvikana kandi yo kuvuga ngo tuzasubira inyuma bigaruke hano ibyo ntabwo birimo kandi ntabwo inganya natwe imbaraga nicyare muzi yuko na nations ni ku bantu bafite hano amatelefone bakurikirana ibinyamakuru na nations ni yaravuze ngo twebwe imbaraga zacu ziruta iza leta tukumvikana ni ukubera intambara turwanye nyinshi mu bujya muzibona nta hantu bari badutsinda turwumvikana ibanga ryacu ni irihe tubarusha imana turwumvikana none baratwanze niba batwanze bange n'ubutaka bwacu siko bimeze iyi mipaka ya Kitagoma iyi mipaka ya Bunagana yinjiza amamiliyoni y'amafaranga akagatuka kubaka Kinshasa dore imihanda yanyu ko nayisize cyagiye cya kera nipo imeze n'iyisaha nge nageze none umva ngize n'isoni amazu nasize hano hepfo harimo amazu hariya muri gitwe habwa harimo amazu nimuri kwibuka nageze muri gitwe numva ngize isoni ibutaro hariya kwabagafaranga narinzi wazajya gusura y'umukecuru wanjye nyine nawe nahageze witabye imana ariko naho abantu barahavuye ngo yaguye ngo mu Kitagoma abantu bari hamaze imyaka ijana ariko leta nzima yananiwe kuzana umutekano w'abaturage muri ibyo bintu bitababaje abanyamusanza rero amagambo anzanye iwanyu n'aya ubuyobozi bwaragiye bashinzwe gutema banyu barahunze siko bimeze niba barahunze rero udashaka kubana natwe agende ushaka kubana natwe abe hano twebwe mvenzwa ntabwo tuzazi wawe ngo duhereze isorori y'ibishimbo wowe ngo dutumye chef de localité wanyu nguyu ngo genda mu baturage bajye bazana ibishimbo igitoke agafu ibyo twebwe ntabwo tubirimo I'm going to go to the phone. Abandi duhanganye nabo izina nyatura na semuse byose byo mwumva n'abamayimayi turwumvikana niba hari umuntu hano uzi ngo mfite umwana akora mwabo bantu uyu munsi umuhamagara veyo aze turamwakira tumwigishe igisirikare niba ari umuhungu wacu turwumvikana tumwigishe ideoloji tumwereke icyo gukora maze tukore nawe ibyo tuzarya nibyo azaryaho mujya mubona imodoka iri kuzana ibyo kurya hari umuturage ubajya bakorera imizigo ikare navuga ngo ngwino wikorera imizigo uzamubwire nyishura ukumvikana niba atakwishyuye ntabwo agomba kugukoresha twebwe dushoboye kwikorera imirimo yacu yose imizigo yacu tuzayikorera amazi yacu tuzayikorera ukumvikana nihaba hari akantu ko ushaka wena tubona ubufasha bwanyu mwebwe population tuzabwira kumuse siwe mutware wanyu cyangwa hari undi ni loko vraiment we kuzana mwa pasi tukotsa rususu ba Rwanda na mboka na biso kokotsa ba Rwanda na mboka na biso ezali komilukela makambo sobi tokotsi bango bien sûr mais finalité au final tango ba kosisa musalana ba bazaba citoyen ba kosirkile
barubando futa bango ba mbong barubando kuanvier ba ba basi ba na bisope ba saka na bango na ba lisale bele barubando kuboti sa bango lisusu to créer lisusu nani série lisusu ya bana oyo ba kubundisa ka république dans le futur d'où pona ngai. En tout cas, on n'a plus le droit d'être avec les nani les Rwandais ici kamoko bazongi sabango nyo soto etal bango zamboka na bango so bazongi sabango kuna ignorons plus la force sur nous ba démoraliser bango ale bazongi sabango kuna ba rendre bango des inaptes ale bazongi sabango kuna na mboka na bango et biso to continuer kaka na bitumba pe na diplomatie soki to beti masasi bangi bala bien to slobaka boyo kakate toujours kende kak puisque on ne peut pas aussi arrêter la diplomatie puisque on ne peut pas être ennemi avec tout le monde pour qu'on solo là mais to bunda yango nengi kolobake. En tout cas pour nangai mon point de vue, il ne faut plus ba Rwandais ba vanda na mboka na biso, il ne faut plus, il faut vraiment tout libérer bango nyonso to kangi pe ambassade to tika likaka na ba correspondance toujours makam nyonso to sala makaka na ba réseaux sociaux na ba na réseaux quoi pas sociaux ya biso tout se fait par réseau ba komi biso to komi bango donc to tika liboyata deux décennies si mango par après baso ki si contact les Rwanda bana biso pe ba ozala fermé bango pe ba ozala na kubanga te makambo kende bien. Bon, merci, c'était juste une opinion parmi tant. Ma image mina batumia ni ya kiwanja kuevia na tumikiaka. Bana bitutumia saibu subui njo yenye M23 inafanya. Monona deja le ni maaktros zenye ziko barabara gisi tu mwenye na yua kiwanja gisi na kuwaka tu ni barabara magari zinasimama pembeni ile mabutiki yote nye muko nona njoo ile mabutiki ya kiwanja tuseme bana sabote kiwanja centre juu vye nae bana mwita pa bana sema na biro yabo walivunja bana beba mashini yote ya biro bana beba na kiti ya biro se bana beba bana sabote kuma biro kupaka na mavi. Maki hapa sawa yuko biko na biko na toka kule njoo maki biko bana sabote vile gisi tu walifaka hapa kubeba na mamorge bienye walifatu hapa Goma njoo biba nafanya banafanya kiwanja ni sabotage kuna kwa leja tate mwenye na kufia mule alikufia munyumba iko sale magari walikuwa nazipika kama ni malance rocket on sait pas na biko bana biko kama biko bana kimbia gisi biko bana kimbia après le bombardement yenye bali ba bombarder mardi donc je vais nafamu kiwanja mwenye na yua kiwanja deja na pasha angalia le maboutique pale jo pale njo tu zambele tu pale njo ile alors ni basi ni huruma sana na pole kuba ndugu yetu wenye biko pale kiwanja sema yake biko bana pie kubeba ma telefone make ni kuvunja makioske manake gistu walifaka ile sabotage ya hapa vaba vuke njo sabotage yenye wanatafa mu kiwanja jo batoke amo. En tout cas basi ni huruma sana kabisa de bons stratégies encore une fois. Voilà, je sais pas si vous avez constaté comme moi, lorsque la société a fait la modification par rapport au plan d'activité, au plan de gagner, moi j'ai remarqué que la société veut encore nous faire galoper encore beaucoup d'argent, du fait que quand ça nous amène encore la façon de faire des achats deux fois par jour. La façon de faire des achats deux fois par jour, surtout au niveau des VIP, des étroits. Moi, j'ai constaté que là, il y a trop d'argent maintenant. Il y a beaucoup d'argent maintenant. Parce que, supposons si j'ai gagné, si j'étais en train de gagner $10 en VIP 2. Comme par exemple celui qui a investi avec $256. N'est-ce pas qu'auparavant, il gagnait 11.94, c'est ça, je pense. Alors, les 11.94 aujourd'hui, c'est divisé par 2. Donc, vous allez vous rendre compte que la personne là a $6 quelque chose. Mais les $6 là, c'est par cycle. Quand vous allez terminer le premier cycle, vous allez encore repasser la deuxième cycle pour juste après 6 heures d'état. Et là, vous allez encore gagner encore combien? 6. Ça fera $12 au lieu de $11. Tu vois? Voilà. Comme par exemple, celui qui était en train de gagner $14. Hein? $14 en VIP combien? En VIP
en VIP de $315. Il gagne $14, point quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on vous donne $7. $7, et les $7, on vous les fait deux fois. Donc, fois deux, c'est-à-dire 6 heures, 12 heures. Donc, après 12 heures de temps, vous devez gagner combien? Vous devez gagner 14 fois 2. Donc, pas 14 fois 2. Les 7, puis combien fois 2? Et donc, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup d'argent. Alors, celles-là qui sont très bien placées, c'est celles-là qui sont dans VIP 3. Alors, j'ai constaté que le dernier paquet aujourd'hui en VIP 3, c'est pour $3,698. Et celui-là gagne 6%. Le 6% est divisé comment? Le 6%, la personne, vous allez constater que dans le système, on écrit que la personne là a gagné $110. $110. Les $110, quand il le fera fois 2, il gagne automatiquement fois combien? Il gagne directement fois 2. C'est-à-dire, il va faire combien? Il va faire les $110 fois 2. C'est-à-dire, pour la personne qui a VIP 3 les derniers paquets, il doit nécessairement gagner $220 après 24 heures. Can you imagine? Hein? Trop beaucoup d'argent, les gens, panenda wina. Donc, il n'y a qu'à kuchapaka. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimiana moringa na yo, Luka kopeto la ma. Hallelujah. Murenge. Ibuka mu buto bwanje butemba itoto data na mama bampayagiza bati iki gihugu umurage w'abasogokuru ati mwana mukundwa hani uzororokera ariko kubwo kubana n'umwanzi uhanga kurusha amahwa zaragoza abaye nyinshi ubwo nza kwisanga imahanga iyo mwana arira nyina ntiyumve ndagukumbuye gakondo kumbuye ibyiza byawe murenge isuzi myiza cyane amashamba ya kimeza umuco wawe ntagereranywa akareka ko kumirambi wewe kabando kabagutuye sinzagoheka na rimwe nzahora mwibuka murenge nibunda bibogobogo minembwe indondo yose kugeza mu rurambo kia naho niho twavukiye helicopters tip kia mama murenge yeah, murenge gakondo ya ibyiza bigutatse aho niho ku isoko ry'abasoko zo gusurana n'abawe murenge mama murenge gakondo yacu murenge mama Sino kuhaya giza ngomura angizu Unanya wa mama mutomu Merci Tambwe Justin Cousine Sophia Isara munishi kuwa natuwa kuranyi
cyane cyane bene murondanye. Thanks producer Prosper. Imurenge niho nakuriye mu kirambi. Byiza byiwacu. Mwese ndabakunda. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimiana moringa na yo. Luka. Luka kupeto la ma. Hallelujah. Remaneza tumwamari ritabaro tugamije guta. Mubira basara bacinkambe turazira niwe duseruka gitwara intwari turatabaye. Bakundira ko musenga mwabigize ingeso mwamenye iryo bamba ko mudafite amana ntimwashobora nayikabana namwikiyubahisha mumpesheje agaciro mumpesha ishema noro kibudukunda side kibumukomere abirushuro mwese Giza na gicanga Ngungu na murambi Umunaga na mutahe Mutekano ni wose Ituri ni mutuze Tufatanye urugamba Imurenge ni muhumure Ukavu ni mube maso Tarunyoni na chanzu Koma turayitaha mungwe kuji wache Matenga nichizigenza Insinzi ya jezi washu mungwe kuji wache Namala ni mwana ni yaya nyuma Tuga mire kuchura baheze mumahanga kandi bafiti wawo Abana baka mwamaza matai naza chanyoga na waduhiga Zibira kanyagwa Mura sana numanzi muka muhash Gata njira jama kambongo na banyarwa Daba ningoni Uganda nibjashowok Kovari ya wangungu watumarira wasoda Mumbe sheja kachiro mungore izina yeah.